Alors, il y a un aspect chez René Guénon qu'il est utile d'aborder pour la jeunesse qui devrait le lire. Hein, moi, je conseillerais de le lire, même de l'étudier à l'école. Hein, pourquoi pas, il n'y a rien de sulfuré chez Guénon. En terminale, par exemple, chez les jeunes, et ça serait une bonne approche. C'est sa modernité. Bon, quand il écrit « La crise du monde moderne », on est en 1927, hein, ça a été dit, donc c'est juste avant la crise mondiale hein, de 1929. Et déjà là, Guénon fait acte de modernité, c'est-à-dire qu'il a un jugement tout à fait moderne. Aujourd'hui, quand on entend des débats sur l'écologie, tout ce qui peut être bien fondé de voir l'humanité se détruire ou détruire la planète, Guénon alerte là-dessus. Hein, il dit que c'est l'ère de la surconsommation, c'est l'ère du matérialisme. Et pour lui, c'est pas seulement le matérialisme, c'est que ça va de pair avec une perte de spiritualité. À la limite, il y aurait un progrès à tout craindre. Une spiritualité énorme, peut-être que le risque serait moindre. Hein. Mais lui, il dit le risque est double, parce qu'en fait, il y a un progrès à tout craint qui détruit, qui change l'homme, qui perturbe. Et à côté, il y a une perte de spiritualité. Et regardons autour de nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche cette spiritualité. Sans elle, les gens sont à moitié des humains. S'il n'y a pas cette spiritualité, ces moments de recueillement, bon, certains disent hein, des moments de prière, pourquoi pas, mais tout est bon à prendre. Hein. Et chez Guénon, ces moments, ils sont importants parce qu'il pense sur lui-même, rétroactivement. Et c'est là que Guénon est moderne. C'est pas recevoir quelque chose qu'on nous donne comme un bien de consommation qu'on va recevoir et puis on l'utilise. Non, c'est faire l'effort de penser sur soi-même, de se critiquer, de s'auto-critiquer, d'essayer de se modifier, sans chercher à modifier les autres, hein, mais déjà commencer par soi-même. Et ça, c'est le principe ésotérique de Guénon. Il dit, si on ne fournit rien de soi-même, c'est pas la peine. Et il faut regarder comment Guénon, ce qu'il a pu fournir comme effort. Et disons-le, même malade au cœur, ben, il écrit des lettres, il répond à des gens qu'il ne connaît pas. C'est des centaines, peut-être des milliers de courriers qu'il a fait tout au long de sa vie. C'est des livres qu'il reçoit, des revues auxquelles il est abonné. On a même trouvé chez lui, après sa mort dans sa bibliothèque, la revue Caodaïste. Le caodaïsme, c'est un syncrétisme religieux hein, qui est né en Orient. On le trouve un peu au Vietnam, quelques milliers de personnes. Bon, peut-être quelques millions au plus, mais c'est une religion que personne ne connaît. Ben, Guénon s'intéresse à ça. Il la trouve pas trop moderne, parce que c'est un syncrétisme d'un ensemble de religions, mais il s'est intéressé à des choses que personne ne connaissait. Mais aujourd'hui, il faudrait Internet, et fouiller dans Internet comme... mais comment a-t-il pu être connecté, et c'est le mot, au monde entier, sans avoir les médias tels qu'on les a aujourd'hui? Mais chez Guénon, il y a quelque chose de fabuleux. Alors, est-ce que c'est des fiches? Moi, je serais curieux de savoir. Est-ce qu'il stockait? Alors, vraisemblablement, il écrivait beaucoup, il faisait des petits cahiers. Mais ce personnage-là devait avoir un carnet d'adresses, mais qui est digne de notre portable d'aujourd'hui, quand on liste et qu'on fait envoyer à tout le monde, c'est-à-dire des centaines de gens. Il devait avoir et être abonné à des centaines de revues telles qu'on peut l'être aujourd'hui quand on a envie hein, d'accéder à tous les influenceurs possibles de la planète. Mais René Guénon, ça a été ça à son époque. Et replaçons ça
Alors il s'en plaint pendant la guerre en 39-45, les courriers marchent mal. Alors peut-être avait-il accès au téléphone, hein, c'est possible, c'était les débuts dans ces années-là. Mais disons que c'est le courrier chez lui qui marche. Mais il faut le gérer, ce courrier. Il faut répondre, il faut organiser. Les revues, il faut s'abonner chaque année, il faut recevoir les bulletins d'abonnement. Et quand on regarde Guénon en dehors de son œuvre, sur l'aspect littéraire, parce que ses courriers font plusieurs pages, sont bien écrits, répond, il est soucieux de la forme, quand on se penche sur tout ce qu'a pu écrire René Guénon à ses amis, et c'est là que parfois il se livre personnellement, plus que dans son œuvre d'ailleurs, il parle de ses petits problèmes quand sa première femme décède, les problèmes qu'il a quand il est malade au Caire, et il dit ben, « je n'ai pas pu vous répondre depuis quelques semaines, j'ai quelques soucis de santé ». Et puis, il ouvre des parenthèses, quelques soucis de santé, peut-être a-t-on jeté des sorts sur moi. Donc là, on approche un autre Guénon qui se soucie des relations qu'il a eues dans le passé, des gens qu'il a pu rencontrer, de ce qu'il a vécu. Et cette connexion qu'il a avec l'ensemble des gens sur Terre, et peut-être même, ça c'est moi qui le dis, je m'avance, peut-être même un peu avec les morts à l'époque, parce qu'il se sent un peu poursuivi par certaines personnes qui lui ont fait du mal et qui ne sont plus de ce monde, mais il se dit, elles sont peut-être là, ou elles m'ont peut-être jeté des sorts. Alors là, on imagine un autre René Guénon. Et quand on se penche sur son œuvre, il faudrait le faire de manière plus pointue, plus assidue, notamment sur l'ensemble de ses courriers. C'est distinct de l'œuvre, hein, ça n'a rien à voir. Mais là, peut-être on aborde un autre personnage, et c'est un peu ce que j'ai voulu faire dans ce livre, avec bien sûr beaucoup de précautions, mais voir l'homme à travers tout ce qu'il a pu écrire au cours de sa vie. Sa correspondance personnelle.